On est le jeudi 18 mai 2023, on est en plein festival de Cannes et j'ai sous les yeux plein d'infos insolites sur le festival de Cannes. Eh ouais. Déjà, est-ce que vous savez que pour atteindre le palais des festivals et des congrès, donc c'est en plein cœur de Cannes, c'est là où il y a les fameuses marches du tapis rouge, les invités doivent parcourir 60 mètres quand même de tapis rouge. Ah ouais, c'est long. Hein. Ouais, c'est long. Ah ouais. J'ai regardé sur mon téléphone, moi je fais moins de pas dans la journée que... Non mais c'est incroyable. Sur le tapis rouge, les célébrités elles sont shootées par pas moins de 400 photographes, sans compter les photographes amateurs. Ouais, c'est impressionnant. Je sais pas pourquoi, mais j'ai une scène qui me vient en tête de Yannick Vinel. Derrière les barrières qui appellent les acteurs. Non, t'as une photo. Tom Cruise. Ce que t'as en tête, c'est une photo qui est sur mon Instagram où oui, je monte les marches. Ah, bah voilà. Ah, t'as monté les marches? Oui, j'ai monté les marches. Mais non, c'est pas vrai, Yannick, tu l'as jamais dit. Mais bah quelles marches? Les marches de la cantine d'Europe 2. Mais oui. Pas une vanne, j'ai vraiment une photo. Mais à quelle occasion? C'était pour le festival. Mais non, quel film? Alors, arrête. Alors, vous voulez vraiment que je vous dise? Parce oui, que vous n'allez pas me croire. Vas-y, vas-y, c'est vrai. J'étais invité avec un ami par les glaces Magnum. Hein ah. Magnum, c'est hyper sélectif pour les invités. Alors, me demandez pas comment je sais. Tu devais faire quoi, la mascotte déguisée en glace? Non, il y avait une soirée après sur la plage, Magnum. Et tous les photographes. Et avant, il y avait une montée. Et il y a eu 400 photographes qui se demandaient Yannick Vidal. Non, moi, c'est mon pote qui m'a acheté avec son téléphone. Ah, d'accord. J'ai fait la montée. Ah, c'est pas une photo officielle. Moi, c'est pas une photo officielle. Mon pote, c'était des photos officielles. Moi, je l'ai accompagné. J'étais ce qu'on appelle un plus un. Ah, t'étais un plus un, d'accord. Bon, il y a 24 marches à monter. Tu t'en souviens, Yannick? Non, il n'y en a pas 24. Bah, si, il y en a 24. Si, il y en a 24? Bah oui. Je croyais que c'était un piège. Tu n'as pas monté les marches. La ville de Cannes, elle passe de 70 000 habitants à 200 000 habitants en quelques jours. C'est énorme. Et 90 000 nuits réservées à l'hôtel, dont une nuit dans la luxueuse suite Dior du Majestic qui coûte 15 000 bouliches la nuit. C'est énorme. Yannick. Et petite info aussi supplémentaire, lors du festival de Cannes, il y a une application Uber qui propose Uber Papillon pour vite t'emmener un nœud pape en express. Non. Si t'as oublié ton nœud pape. Parce que c'est obligatoire d'avoir le nœud pape pour les hommes pour monter les marches. En général, les hôtels ils vont te le chercher aussi. C'est incroyable. En général. Je savais pas qu'il fallait un nœud papillon pour monter les marches. Obligatoire. Si, obligatoire. Ah oui, et si t'en as pas, ils te. Non, ils te font pas monter. Et le jogging, ça passe? Non. Jogging, nœud pape, ça serait quand même incroyable. Bah, bien sûr. Tu veux être mon plus un? Ouais, allez, je suis chaud. Enfin, lui, c'est plus 2, plus 3, plus 4. Je sais pas, excuse-moi, Guillaume. Quoi? Pardon? Je sais pas ce qu'il m'a pris. Vas-y, explique-toi sur cette blague. Non, t'es plus gros que lui. Allez, bim! Le morning sans filtre jusqu'à 9h30 sur Europe 2.